En 1943, nous habitions au 10 rue de la Paix dans cette maison. Derrière cette porte, il y avait un logement, un petit logement de deux pièces. Et c'est dans cette cuisine que le 11 novembre 1943 s'est organisé selon tous les détails. Plusieurs réunions ont eu lieu et ce n'est que dans la nuit du 9 au 10 novembre qu'une réunion générale qui réunissait tout l'état-major du maquis avec le commissaire de police d'Oyonnax s'est tenue là pour mettre les derniers détails au point. Tout avait été organisé. Dans la rue, évidemment, il y avait une protection rapprochée. C'était des éléments d'un groupe franc-AS. Et un peu plus loin, d'autres éléments, surtout faits par des agents de liaison, qui surveillaient un peu les entrées du village, de la ville. De toute cette assemblée de ce moment-là, il y avait trois agents de liaison, il en reste deux, et moi, nous sommes quatre survivants de toute cette époque.